contre, je voudrais bien du coup qu'on me TP quelque part. Alors. J'ai. Non. Salut tout le monde, c'est Max128, j'espère que vous allez bien, moi je vais très bien aujourd'hui. On se retrouve pour la vidéo World Tour de Artcraft et comme vous le saurez, ça sera la dernière vidéo sur cette map. Ça sera le World Tour final puisque on a recommencé une nouvelle map, une nouvelle saison de Artcraft en gros. Sauf qu'on n'est pas en ultra hardcore, on est juste en survie. Comme ça, on peut tranquillement se balader sans risquer de mourir à tous les coins. Et on a déjà commencé. J'ai des vidéos, voilà, il faut que je les monte. Je veux pas trop vous spoiler. On a juste créé une map avec des presets spéciaux. Je vais me retourner, vous allez voir. On a des îles flottantes, donc c'est plutôt pas mal. Pour les bases et tout ça, moi j'ai déjà trouvé la mienne, je vous la montrerai plus en détail dans le deuxième épisode de Artcraft, parce que de Artcraft saison 2, puisque dans le premier on est juste resté ensemble à découvrir un petit peu la map aux alentours, mais on n'est pas venu jusque là, et dans l'épisode 2 je vous montrerai toute la base et tout ce qu'on va faire et voilà. Je vous laisse sur ce World Tour. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Ici, vous pouvez observer la bâtisse du Seigneur Skyro. Putain. Avec, à l'intérieur, comme... rien. En fait, il n'y a rien à voir. Ah si, il y a... Avec ici les goûts des tortues ninja, ah, oui, que vous pouvez observer. Ici, c'est l'original. Regardez ici. C'est magnifique. Ouais, attends, il est allé jusqu'où avec son putain d'égout de merde? C'est des égouts, ça long, hein. Ouais. Ah ouais, effectivement. C'était un gros projet qui était abandonné, mais quoi. Mais t'es en train de semer des putains de poulets par an. Tu perds pas. Mais il avait pour projet d'aller jusqu'à la mer, mais il a arrêté avant. Ensuite... Parce que j'ai piqué tout le café du monde. Ensuite, nous pouvons observer dans la bâtisse d'en face ce qui était censé être la poste de Artcraft avec le postier qui n'existe pas. Et c'est donc un bâtiment vif qui servait pour les réfugiés de Artcraft, et bien sûr, à savoir personne, effectivement, car chacun avait sa maison, c'est magnifique. Même trop de maisons, même. Vous pouvez observer. Tellement maison que c'est pas aménagé, quoi. D'ailleurs, il manque un truc, là. Elle est pas terminée, la maison. Non. Non, elle est absolument pas terminée. Ensuite, si vous continuez, vous pouvez apercevoir d'ici le bateau du Messire Skyro, qui est magnifique. Avec sa magnifique bite, non? Ici, vous pouvez observer la maison de Twistaga, qui n'a jamais fini. Putain, toutes les années où Artcraft était ouverte, tu l'as jamais fini. Genre au début, t'avais posé un bloc, et après, tu l'as plus touché. Bah moi, j'ai cette maison, elle mérite pas d'être finie, en fait. Elle mérite clairement pas d'être finie, parce qu'elle est laide, déjà. Regarde, je vais poser... Même pas au le bloc du savoir. Par contre, genre, tu sais pas ce que tu fais en posant des blocs chez moi, toi. Parce que même si ma maison est pas terminée, ça reste mon terrain, quoi. Tu fais pas ce que tu veux non plus. Ouais, j'ai vu des flèches. C'est pas moi. Ouais, j'ai pas de flèches. Ok. J'ai pas de quoi me défendre, Yanni. C'est où? Non, en vrai, je te mets deux coups d'épée et on en parle plus, quoi. Si vous pouvez observer la série de... Oui, c'est Maxime, de Max28. Qui est très fonctionnel, on peut voir, hein. Oui, ouais, elle est super. Elle est déjà plus fonctionnelle que la poste et la maison de Yanni. Il est invisible. Mais putain, mais tu te fous de ma gueule. J'avais dit ma maison de merde. Bah, on te voit pas. Non. Sans les que... Bah, moi je vous vois, tranquille. Laisse-moi. Mais genre. Non, je te chasse. Bah, je suis devant toi. Regarde, si vous pouvez absolument. Non, mais t'es même pas là, c'est trop chiant. Il est invisible. Ici, vous pouvez apercevoir la faille de l'invocateur. Je vois très bien le sol de la faille actuellement. Oh putain, je suis loin, TP-moi. Mais je suis invisible, vraiment. Mais je te vois pas, c'est une menace trop grande, je veux pas rester au bord. Mec, il est où ce gros con? Non mais c'est un bug, ça nous arrivait avec Flo aussi. Mais il est où? Je combats un fantôme, quoi, merde, à la fin. Je suis en bas de la faille, alors... Oh merde, j'étais one shot. J'étais full vie. Il a quoi ton arc? T'as pas de, t'avais pas d'armure aussi, hein. Point 5, merde, ouais, ok, d'accord. T'avais pas d'armure. Comment ça j'avais pas d'armure? J'avais mon full diams. Non. Ah non, t'avais ton diamant mais pas sur toi.
Ah, bah laisse-le sur le sol, je vais le ramener. Oui, je le sale le sol. Merde. Ici, la place du marché est où? Continuons notre world tour international. Oh, Stéphane Bern a gymé à la fête. Mais c'est con, vous voyez pas. Ici, nous pouvons apercevoir la forge de Max 28. Oh. Attends, je décore un coup. Ouais, essaye. Ouais. Bâtie en 1666. Elle est toujours debout à l'heure actuelle avec son chien qui date de 1866 lui aussi. Ah, il est là. Ou c'est d'ailleurs le club. Ouais. Il est là. Le club qui s'appelle le chien du forgeron, putain. Quelle originalité. Ici, le manoir d'Adrien. Oh, une hache. Merci. Alors, ensuite, ici, les écuries avec mon destrier préféré, Bourrico. Je sais plus si on l'avait renommé. Non, juste l'entrée, c'est tout. A plus. Bon, je reviens le poser. Cheval de team. Tue-le, tue-le. C'est des putes. À mort. Je pique ton aïe. Mais attends, mais pourquoi il avait un cheval à lui? On avait rien. Allez, nous. Bourrico. Zone d'accouplement. C'est... Merci de chuchoter, il faut chuchoter. Ouais. Zone d'accouplement. Eh, petit attends, je ramène Bourrico pour... accouplement ultime. Saut 5 blocs. Vie, 14 coeurs. Vitesse. Ah ouais, est-ce qu'il va si vite que ça? C'est une formule, hein, ce cheval. Comment on fait déjà pour quitter... Ah, c'est con. Et ici, 5 le blocs manoir de Max 28. Ah oui, tu peux monter sur le toit de l'écurie si tu le fais bien. On n'a pas visité le bateau. Pas grave. Ici, la maison de Max 28. Le manoir aussi. Vide. Merde, vide. J'arrive pas à avoir le bon timing de... Ici, la maison de Yogmo que je n'ai... Ah, ici, ce que j'ai commencé, c'était censé être une réserve de foin, mais je ne l'ai jamais fini. La maison de Yogmo qui n'a jamais été terminée non plus. Hein. Oui, ouais. Là, c'est le coin des non-terminés, quoi. Oh, il y a un creeper ici. Salut. À plus dans le but. Ici, la magnifique arche et la rivière. Putain, je suis tellement fier de cette rivière. Oui. J'aime bien comme quoi le chemin s'arrête subitement là. Ouais, on devait faire un pont, mais on a eu la flemme. Voilà, jamais fait. Là-bas, t'avais un projet de ferme aussi, mais t'avais... Et là-bas, le moulin, hein, et le champ de Maxime. Vas-y, on va niquer le moulin. Est-ce qu'il y a un portail du Nether à ton moulin? Non, je suis comme ça direct. Oh! Parce que de toute façon, il n'existait plus de l'autre côté. Ouais, c'est vrai. Oh le connard! Oh putain, il casse les récoltes! Mais je vais faire exactement la même chose. Oh, y'a un creeper! Putain, lui aussi il casse les récoltes. Hein. Bon, allez, ok. Ah, vas-y, tout le blé pour moi. Ah, y'a beaucoup de cœur. Partre dans le mur. Oui! Mais on fait quoi en fait? Bah, je sais pas, là c'est la base de team, pourquoi on y va? Je sais pas. Ah, je prends un raccourci. Non, mais genre ça. Ah, mais la vache! T'as raté l'eau. Ah non, c'est moi avec ma glace! J'ai crevé! Je t'ai dit, c'est chiant, c'est chiant des fois mes bottes. J'ai 2,5 coeurs, la vache. Attendez, je suis en train de me faire des habits noirs. C'est chiant coup, des fois, c'est paumé là, parce que là c'est moche les escaliers. Je suis paumé parce que là c'est moche. Voilà, merci TN Team pour ce stuff. Non Yanni, s'il te plaît. C'est le seul stuff que j'ai. Tu peux pas me le prendre. On recule. Vas-y, c'est bon, c'est ouvert. Hey, j'ai une montre. Hey, il a une bonne Rolex, un bon Rolex en mer. Il ne compte pas. Est-ce que je peux te pêcher, toi? Oui, tu peux tirer quelqu'un. Allez, on se rapproche. Vas-y, rapproche-moi encore. Maxime, t'as pas tes chaussures de glace comme ça en traverse? Si. What the fuck is that? C'est quoi le truc au spawn, le genre de long beat au ciel? C'est le beacon. Oh putain, mais pour moi, il est tout noir. Oui. Ouais. Il est bugger. Mais... Soit on a mis du verre noir, soit il est bugué devant, je sais pas. Mais ah ouais. Oh, je peux le faire couler. Mais il m'a enlevé toute ma vie, hein. Mais non, je t'ai mis un coup d'épée. Enfin, tu m'as mis un coup d'épée, je suis mid life, mec. Je suis même plus. Mais l'écharpe. Alors que regarde, plus, hein. Regarde mon stuff cuir noir. Tu vas être full HP, Nathan. C'est du stuff loup, putain. Tu peux ranger ça? Non. Non, il a son beacon là, il est content. Oui, j'ai le beacon. Ah bah, ok. Je vais aller dans le Nether. Explorer. Ah, du coup, je vous ai paumé, vous êtes où? Et la maison de Scarface, on l'a pas fait.
Et la pendaison, ah, on l'a ouais, pas fait. Ouais, ouais. Le pendaison de Scarface, comme ça, avec sa petite tour d'observation, dans lequel il voulait élever des animaux clandestins, mais qui ne l'a jamais fait au final à cause de la police. Hein, on le sait. Et ici, la pendaison ultime, comme on l'appelle, de la vie. Eh ben non. Wow, c'est trop l'heure. Allez, agis. On va arrêter. Est-ce que ça tue vraiment la pendaison? Non, j'ai mis de l'eau. Encore bonne chance pour monter. Vas-y, je vais essayer moi aussi. Ah mais j'ai un passage et secret. Et à côté, on peut voir un magnifique terrain vague. Un passage secret en effet. De Auralink, ouais. Quoi, t'es tombé aussi? Oh, bah, je voulais tester la pendaison, j'ai jamais eu l'occasion de le faire dans ma vie. Normalement, il sort par là. Non, généralement, t'as qu'une fois l'occasion de le faire. Bonjour. Bah, là, non. J'ai tenté. Là, je peux même refaire un tour si je veux. Et en fait, si ce terrain était. Mais il est Auralink ce terrain, normalement, non? Ouais, ouais. Ah putain, j'aurais fait le passage sous ta maison. On arrive dans ton placard. Putain, t'imagines si j'avais construit là et que je découvre un putain de tunnel vers les cadavres pour les gens. Je te jure, j'aurais mis des blocs pour fosse. Le cacher ou une porte. Putain, y'a une crypte sur mon machin. Genre, tu mets des petits barreaux et t'enfermes les gens qui sont à l'intérieur, Olivier, et tu les séquestres. Non. Non. Et que moi qui réfléchis, hein. Oh. Qui veut faire ça. Du coup, vous êtes parti où, du coup? Ah bah, on va dans le. Bah là, on est parti des lettres la map maintenant, là, on recommence une nouvelle aventure. Ah, c'est bon. Il reste tank? C'est le bois. C'est pas grave, reste tank. Déjà, je vois une bite en l'air, là. Ouais, bah, ils sont là, on la connaît. Ici, nos magnifiques reste tank, comme on peut les observer. Tout ce rouge de couleur. Et alors, ça, là. Vous voyez cette saloperie en gris, là? Ouais. Je n'ai jamais cautionné cette chose. Pareil pour l'écurie qui est là-bas, parce qu'elle est très. Deviens d'ailleurs, on va voler nos poneys. Ah non, parce que après c'est une inondation là-dedans. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors. Oh oui. Là, il y a des boules de glace, non? Cette inondation qui a eu lieu en 1200 avant l'avènement de Maxu 28, comme on l'appelle sur Hardcraft. Il y avait pas que moi, il y avait Ultra Risotose. Avant l'avènement de Ultra Risotose. Bah, c'est tout ce que j'ai à vous dire. L'inondation a été un carnage pour nous tous. Hein. Alors ici, Est-ce vous pouvez observer des gens notre magnifique plaine, absolument extraordinaire. Mais vous êtes parti avec... vous, parce que moi je suis perdu. On est passé, on a passé par un tunnel sur la montagne. Baramine, il va mourir dans la mine. Tu vois la bite? Tu fais la direction. Ah. Enfin, à l'inverse, la bite. Avec ici The Legend of the Fishing Cabin. Ah, bah, t'es là. Et si nous pouvons monter. Comme je me souviens de ces escaliers, ils étaient inondés aussi, ça a pas été trop difficile. C'est vraiment rigolo, hein. Les pranks, on adore ça, hein. Je suis sûr qu'il va y en avoir d'ailleurs. Moi, encore. Je préfère mes pranks original d'un coup de TNT et basta. Ouais. Alors, ici, vous avez le salon très bien équipé, télé, etc. Avec en haut la chambre de ce monsieur et de moi. Hein, on peut se. Avec la salle. Avec tous nos CD qu'on a trouvés. Mec, on a des vinyles, ils sont hyper rares. De fou. Moi aussi, j'en ai des vinyles. Vous avez des vinyles de Elvis? Je joue très bien du Elvis. Je suis désolé, faut pas déconner. Mais... Voilà, avec en bas la salle des coffres, bon, on n'en parlera pas vraiment. Et voilà. Donc, nous avons apporté du Nether extérieur juste ici. On peut repartir vers... Avec ici, le souvenir du Nether où j'ai perdu mon stuff. Non, c'est l'End. L'End, excusez-moi. C'est l'end, ça? C'est vraiment rigolo, c'est ouais, l'end. C'est une mise à jour de l'end. Oui. C'est les forteresses de l'end, là. Ouais. Ah, les bits, là? Ouais. Ouais, les bits. Super. Bits, ouais. Il est à l'honneur. C'est sympa comme décoration. Ouais, c'est toujours sympa. Ah, d'ailleurs, j'ai pas vu ton nouveau système, au final, Yanni. Ah bah, c'est go, alors. Allez, allons-y. Monsieur Redstone. On a découvert le Jean Redstone. Secret. Ah, y'a un mot de passe! Ouais. Moi je vais prôner. Tu vois Harry Potter, le film le tout premier? Ouais. On va passer par le chemin de traverse, c'est exactement ça. Oh. Faut appuyer sur les dalles. C'est pas les dalles vraiment, mais ouais, c'est le principe. Ah, mais c'est littéralement ça, je veux dire. Hein. Est-ce qu'il est ouvert déjà de base? Non, parce que s'il est déjà ouvert. L'autre il est passé au cas où. Eh, je l'ai fermé. Au cas où si t'as oublié de fermer ta bah, quoi? Quoi? Eh bah, il est ouvert là! Non, il est pas ouvert! Non, ça, non. C'est arrivé. La dissimulation de ma salle des coffres! Quoi? Parfait. Ah, de sa salle des coffres, ok! On a dû le redécoder ton code! Hein, parce et que... là! Ah oh
agit, mais c'est incroyable. A plus dans le but. Et voilà, là il y a tous les coffres. Et j'ai même fait des petits emplacements pour la cave à veine, c'est pour ranger l'hydromel quoi, c'est important. Putain. Ouvrez. Ah, Jim. Nice. Et non demain, est-ce qu'il y a des restes de la prank? Ouais, oui, il y a des restes de la prank avec la neige. Ah. C'est pas tout à fait fini, c'est dommage. Mais n'empêche, ça va, t'es parti sur une bonne base. Bah, oui, j'avais bien tryhard la farm. Ouais. La base en elle-même, elle est moche. La base des bases, oui. Mais t'as pas des lamas. Moi, je vais faire un élevage de lamas, mon pote. Ouais, et viens voir les chevaux. J'avais fait un comment? Merde, un design d'écurie qui était répétable, genre à l'infini en fait. J'aurais pu en faire tellement. Et mettre... Bah, en fait, on dira pas un wagon. Ouais, c'est vrai. Si tu mets sur un train. Oui, not. Et ouais, y a juste la base qui est archi moche. À l'intérieur, je m'étais fait chier avec la redstone, mais c'est tout. Y avait rien de particulier, quoi. Ouais. Ok, nice. On se pousse, du coup, on passe plus. Genre, c'est juste du carré, quoi. Le code, bon, bah, j'ai la flemme de le trouver. Ouais, bah, de toute façon, c'est. Y a 4 boutons et c'est un code à. 5. T'as conseillé de manger du poulet au passage de l'Unizer? Par contre, il y a 4 boutons, mais il te troll en mettant 6, tu vois. Ouais, bah oui. Puis il y en a 6 de l'autre côté. Au début, je voulais mettre genre des boutons à gauche et des boutons à droite. Et le truc, c'est qu'en termes de redstone, ça aurait fait tellement chier de raccorder les deux que bah. Ouais. Après, il y a qui j'ai mis mes couilles dans le placard. Maxime, qui est pas mal aussi. Bah, on va d'abord à Olivier, puisqu'il est à ma gauche. Ouais. On fait dans l'ordre. Cool. Je vous invite à prendre un wagonnet, sachant qu'il n'y en a pas. Bon, ouais. Non, il a pris le seul. Et c'était le mien. Ah, bon. Vous avez pas de la bouffe par hasard parce que je suis affamé. Tiens, je t'en balance sous les. Thanks. Putain, il avait fait un putain de truc de métro et tout. Mec, il en a posé sur les rails des steaks. Génial. Mes vaches chez moi, elles meurent, tu vois. Elles me donnent beaucoup de choses. Ouais, moi, j'ai pas fait truc de glace, etc. pour spammer l'espace de saut, mais bon, moi, je suis réaliste. Vous avez vu, vous allez pas non plus. Enfin, je vais pas non plus hyper vite à côté de vous. On va à la même vitesse, je crois. Tu es parti trop avant. En sautant. S'il y a la glace, tu vas plus vite avec la glace. Ouais. Oui, mais bon. Mais là, on a la même vitesse, mais je suis parti juste avant vous, c'est pour ça. Attention à un trou, là. Ouais, bah, il est bien signalé, le trou. Il y a de la cobblestone partout. Bon, moi je dis, y'a pas de chemin là, qu'est-ce que c'est? Ouais, je vois. Ah, excuse-moi, j'ai pas de. Ah oui, putain, la ferme de ouf. Ça animaux, mec, ça fait laguer, genre, c'est incroyable. Oh, mais. What? Non, ne vois pas. Mais t'as un problème, Olivier? Qu'est-ce qu'il se passe? Ah, bonjour. Pika, t'as élevé tout ça? De quoi? Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi j'ai fait ça quoi? Mais pourquoi y'a un intérieur? Parce que en fait c'est ouvert. Ah, mais c'est toujours la ferme ça, d'accord, putain je croyais que c'était ta maison. Ah, non, mais ma maison est là-haut, connard, je vis pas avec des animaux moi. Putain, je me disais, putain, y'a des animaux partout dans chez lui. Dans chez lui. Ah oui, d'accord. Y'a un mouton d'ailleurs qui s'est escape là, il risque de casser tes champs. Oh, m'en fous. C'est pas grave. Non, putain, il a quand même... Tu sais que t'as fait l'épouvantail, je croyais que c'était un zombie, j'allais lui casser la gueule. En cours de construction, Link 83. Ah, hein. Ouais, c'est bon. Wow, c'est quoi tout ça, what the fuck? Ah, ça t'a dit très longtemps. Qu'est-ce que c'est? De toutes mes putains de ressources. T'as remarqué, je pense que je suis un mec qui pauvre type qui est revenu sur le serveur par nostalgie pour découvrir. Mais c'est Flo qui l'avait pris. 19.05.17, putain. Attends, 17? Oui, 2017. Non, mais... T'es re... Ok. Au pire, j'en sais rien, donc c'est forcément votre faute. Bête de way, nice, la bite vol. Ah non, mais là... Ah oui, le coup du portail TNT... C'est moi. Quel gros schlag. Ok, j'ai toujours un doute. Bande de tarés. Tu sais qu'en plus, on t'a jamais soupçonné. Et je suis sûr que c'était pour Bobby. J'étais encore persuadé que c'était Flo ou Nathan qui s'était fait un piège. Non. Tu vois, oui, moi j'étais sûr que c'était Flo et ou Tim. Je sais pas pourquoi. On entend le CD de loin là. C'est tout. On retourne vers le portail. Un putain de 3-6 et je vais en faire un. Il faut prendre. Non, il faut pas prendre le chariot, il faut prendre le bateau.
Ah. Le bateau. Il fait ça et après tu fais oui. Regarde, j'arrive. Oh merde, je me suis bloqué. What? Mais ça va trop vite. Mais putain, mais ça me bloque des fois, je comprends pas. Le bateau. Mais. Ah oui, putain. Je dois laguer en plus, hein, parce que j'arrive même pas à bouger. Un bateau. Voilà. Quoi, sur la glace et on rame. Ouais. Oh putain, oui. Mais putain, mais ça me bloque des fois. Il y a des pigmen. Avance là, bordel. Par contre, si on se percute, on perd pas le bateau. Non, non, non. Il se casse plus. Oh, oh putain. Mais la vitesse. Bouge. Plus ta gars. Voilà. Ah, mais je perds pas plus. Oh. Ah, mais je suis coincé contre le bloc. Ouais, des fois il faut faire un peu zigzaguer pour se débloquer. Attends, mais putain, mais c'est impossible de passer dans ces. Mais trucs. Même à pied, ça me bloque. Oh la vache. Ouais, mais... les collisions elles ont été refaites dans le jeu. Et si tu casses le bateau, ouais, tu le récupères normal. Ah, oui, super. Ah, tiens. Ah vache, mec, mais c'est trop ingérable en fait. Ça, je veux tourner à droite, il me fait un 360 le gars. Ouais, il est dans le mur. Il était dans le mur. Olivier, il faisait du freestyle. Freestyle bateau ride Gribble. Oula. La maison de Maxime. Avec le tapis stylé. Et les trucs stylés. Et plus le passage par la fenêtre. Non, il est là. Ah oui. Mais il est mort. Oh, il connaît mon truc. Il est bloqué. La première chose qu'on voit, c'est un coffre. On a envie de l'ouvrir. Ah, mais je croyais qu'il y avait toujours ma prank. Oh putain. Non, il faut juste le laisser une fois. Ça attaque. Et que la salle des coffres, etc. Et il y a un bouton pour fermer. Il a poulet. Et là-bas, je sais plus ce qu'il y a en face. Ta poubelle. C'est mes usines utiles. Duplicateur de rails, poubelle et tout. Non, franchement, Maxime, question sérieuse. C'est legit tout ça ou t'as cheaté pour tous ces blocs et tout? Non, ça c'est. J'en avais plein dans ma base en fait. Dans les savanes, t'as que ça comme bloc. Genre, je me faisais des filons de 4 stacks d'un coup. En fait. Attends, non, mais viens pas sur moi. Y a un bouton. Oui, justement. Mais faut pas venir sur moi. Bon. C'est bon. Vas-y, viens, Rivier direct. Eh, vas-y, ouvre-moi la porte. Rivier direct, je vais venir vous casser la gueule, moi. Par contre, c'est ici tes trucs là, tes ponts là. Ouais, là-bas. J'en ai fait deux. Tu voulais faire jusqu'à la montagne, c'est ça? J'en ai fait deux pour me passer au-dessus. Et la grosse montagne là-bas, je voulais faire un village flottant et tout ça, mais au final, j'ai pas réussi à faire de design. Mec, t'as dû faire un écréto sur la montagne à la Hollywood. Genre. J'ai pas réussi à trouver de design pour le. Max sur Montaïde. Non, je lui avais donné un nom et tout, mais il faut que je la retrouve dans l'épisode spécial. Bon. Je me suis enfermé avec ton tâcheur. Vous voulez voir quelle construction encore là? Bah y a plus rien en fait. On a vu les plus grosses là. Tu es libre. Tous les autres c'était des petites bases inintéressantes. Ouais. Oh, tu peux faire des lits colorés. C'est pas le bouton. C'est pour éteindre le portail. Ah, je m'en souviens de ça. Oui. Parce que c'est moi qui l'ai fait. Je suis resté bloqué tout seul du coup. En vrai, j'ai pas d'indication sur qui l'a fait en fait, donc. Putain, mais c'est un donjon le truc. Regarde en haut quoi, on dirait un truc de. J'sais plus un truc en ruine à Dark Souls, j'en sais rien. Je suis par là, on sort. Ouais. On est dans la fosse. Ah, c'est fermé ici. C'est la fosse. Nathan vient de battre. Oh là, il y a une sortie. Ah bah. Non, devinez où on est. Mais si vous voulez, j'ai mis des blocs pour sortir. Hein. Ah, ah non, c'est par là, les gars. Passer à travers le portail, en fait. Ah ouais, tout. Le portail derrière. Vous pouvez sortir là-bas. Ah oui, d'accord. Il y a une longue chute là, vers le beacon. Vous êtes où? J'essaye tant bien que mal de remonter. Oui, c'est une très grande chute. Ouais. Attends, je crois que j'ai déjà été ici. Ah! Oh putain, mais d'accord. Mais... Oh
Oh, c'est fat, mon gars, mais what the fuck? Ouais, c'est hyper gros. Alors, on dirait que c'était les projets de Roi Louis, tu sais. Je sais pas qui a travaillé de temps la construction, mais voilà, c'est... Oh putain, je regrette qu'on n'a pas la TNT, là. Surtout qu'on n'a pas la save de la map, quoi. Le mec, tu lui envoies, tiens, regarde ce qu'on a là, fait il avec était la en train TNT. De faire ça, mais il a pas fini. Mais je sais pas, je sais même pas qui c'est, en fait, donc... Vu que c'est à côté de chez Hugo, je dirais que c'est lui, mais... C'est moi, en fait. Ah, mais c'était peut-être Max et Nathan Hanek non, qui sont pas, venus et qu'on savait pas où ils étaient. Sont... Si, je sais où ils sont, ils sont mis ensemble, ils m'ont dit. Et je sais où elle est leur base, ils ont fait un truc souterrain avec une X-Mob et tout, je l'ai pris en screen. Mais là, vu que c'est genre 100 blocs de la base de Hugo, je crois que c'est à lui, en fait. Elle est où, la base de Hugo? Il avait juste... Enfin, son portail, il the était fuck. Juste avant. What the fuck, voilà, y a un là-bas, tu de vois, Redstone là-bas, juste il y a en face. Côté d'Olivier, là. Quoi? Non, là-bas, il est... en fait, il était basé ah, là-bas où y a au la début. Ferme, là? Ouais, il était basé Où y a là-bas au début. Où il y a le cours d'eau et les cannes à sucre? Ouais. De dehors, les gars, genre, son château, il est impressionnant. Ouais, non, j'essaie d'avoir bon point de vue sur la montagne, en fait. Mec, ouais, c'est d'accord. Impressionnant. Le point de vue que j'ai de là, il est. Non, c'est génial. Je vois, non? Ouais. Ouais, je suis là-bas. Je vois pas, moi. Attends. Attends, on dirait Castlevania, quoi. Non, mais c'est ça. Ce mec est un pur génie, hein. Le château est immense. Et quand j'ai vu ça, qu'il il était est pas fini magnifique. Et qu'on avait dit qu'on recommençait la map, j'étais mal pour lui. C'est pour ça que je vais quand même upload la map en solo s'il veut jamais. S'il veut finir, tu vois. Non, tu lui fais faire ça sur Rosson. Si tu veux une copie de ta map. Nathan, tu les as remis toi tes shaders? Et t'es mute d'ailleurs. Quoi? Bah plutôt ce temps. Non. Mais putain, mais j'étais. Mais j'étais. Il était en train de faire la présentation. Mais oui, j'étais en mode. Non, j'étais en mode putain, oh c'est trop beau et tout, oh, regardez tout. Et je me disais, ouais, je disais, ouais, je regarde rien. Nous, on était en train de t'ignorer comme des gros connards, tu étais en train de dire. Putain, mais. Et je. Sont tellement mal. Comment ça c'est trop loin les gars? Avec la hauteur qu'il y a. Non, avec la hauteur pas. Qu'il y a. Mais tu vas tomber vite. Hein. Mec, tu réussis. What? T'as réussi? Il est pas mort. Il me reste un cœur par contre. Comment t'as fait pour vivre? Ah mais t'es tombé à côté en fait. T'es pas en. Ouais, je suis tombé à côté. Bah Feather okay. Falling 2 et full P4 sur le reste du stuff. Et moi je suis mid life. T'étais quoi toi? Il me manquait que 2 cœurs et demi. Ah, bah mais j'ai que Feather Falling 2. Moi j'ai 4, mais je crois que en je crois vrai, que je quand même si, t'avais, si j'avais eu genre un bonus de jump ou de vitesse, j'aurais pris plus d'élan et ça serait avec passé le beacon, s'il avait pas mis Ast parce qu'il était en train de créer les trucs. C'était par contre, speed je voudrais bien du coup qu'on me TP quelque part. Alors. J'ai. It was at this moment Jackson knew. He fucked up. Non. Ah, tu t'es. Ah, tu as TP sur lui. Tu peux me re-TP sur toi, à la limite, et... Ah bah, TP-le sur moi, je suis à côté de son stuff. Ouais, attends. Ouais, parce que là, je vais pas pouvoir descendre. Mec... Super, Yann, j'étais bravo, au bord hein. Et t'étais en train d'avancer. J'étais en train d'avancer quand il m'a TP, il était sur un demi-bloc dans le ciel, quoi. Putain, je suis mort plus de fois maintenant qu'on fait le World Tour que depuis qu'on joue sur le serveur, hein, quand même.